Donc, ben, dans le cadre de votre formation, hein, là, on prépare les TP. Donc, vous allez voir ben, tout ce que vous allez voir plus tard. Un atelier graissage, d'accord. Donc, le graissage, tout ce qui va être train d'atterrissage. Tu finis de me positionner le troisième atelier graisseur. Ici, c'était Mathieu avec Maxence. Là, vous me repercez. Dans un avion, tu n'auras pas toujours les trous qui tombent au bon endroit. Alors aujourd'hui, on est sur les plateaux techniques maintenance avec nos stagiaires et bien pour apprendre comment on se sert d'un outil pour réparer un avion. Donc là, ça va être toutes les techniques de base, les procédures. Alors on revoit tout, pourquoi ? Parce que ben, nos stagiaires, ils n'ont pas tous le même niveau. Et il faut pouvoir arriver à ce que ben, ils sachent tous se servir correctement d'une scie, d'un forêt, d'une meuleuse. Je leur dis toujours, les mécaniciens, vous réparez les avions, mais vous transportez avant tout des gens. Et ces gens-là, ils ont besoin d'être transportés en sécurité. Moi, j'ai jamais fait de mécanique. Alors avec Air Formation, on a repris toutes les bases. Là, ce qu'on a fait, on a riveté, on a plié, on a coupé les tôles pour, en fonction des patrons qu'on avait. C'est là où le vent va frapper. Et là, c'est le vent, il va s'évacuer par ici, ce bord du fil. Donc sur l'avion, grosso modo, il sera sur la clé, enfin sur la queue, pardon, et puis il sera là. Et puis bah, il sert pour l'équilibre de l'avion, pour qu'il puisse se diriger dans l'espace. Là, tu pourrais très bien travailler sur une aile d'avion, tu vois l'aile, d'accord ? Poser un nouveau renfort sur l'aile, d'accord ? Et donc tu reçois des plans, bah, il faut dessiner un truc en alu. On est sur du travail minutieux, précis, axé sur la sécurité, mais dans l'échange avec le formateur, parce qu'ils vont être amenés à travailler essentiellement en équipe. Donc c'est super important, alors qu'on est dans la base, dans les règles de l'art, qu'on apporte cet échange,
qu'on leur inculque ce savoir-être à posséder lorsqu'on va travailler dans les compagnies, en entreprise. Implanté dans un quartier en plein essor et développement économique, ce nouveau complexe mutualiste répond à deux objectifs. Un objectif pour les résidents du Grand Nouméa, avec une crèche de 82 places en activité depuis janvier, et un centre dentaire et médical ouvert en juillet. Un objectif pays, avec un centre d'hébergement. Il peut accueillir des ressortissants de l'intérieur et des îles qui se déplacent pour raisons médicales. Il y a un besoin important puisqu'on voit que ici dans le secteur, il y a pratiquement 18 000 habitants qui sont installés et que les infrastructures médicales sont situées de l'autre côté de la Save Express. Donc c'est aussi le rôle d'une mutuelle de pouvoir anticiper des besoins futurs et d'être là au moment où les populations sont installées, ce qui est plus difficile pour des professionnels libéraux qui ne peuvent s'installer qu'au moment où la population est déjà sur place. Dumbéa Mutualité est ouvert en priorité aux adhérents de la mutuelle des fonctionnaires, avec la volonté de l'élargir aux adhérents d'autres mutuelles par la signature de conventions, comme c'est déjà le cas avec la mutuelle du Nickel. Selon la direction, ce sont environ 60 000 personnes qui pourraient bénéficier des services proposés par le centre. Bonjour, je m'appelle Giovanni, du blog Recettes Piémontaises. Aujourd'hui, je vais ramasser des piments chez papy et mamie. Ces piments, je vais les envoyer à Stéphane pour son 5e défi de recette 2. Avec cette dernière recette, Giovanni a été sélectionné pour être l'ambassadeur du 100e défi proposé par le site Recette 2. Et regardez toutes mes recettes. Comme le clafoutis à la courgette, comme la mousse au chocolat, et la recette du défi. Les bons petits plats, ce n'est pas ce qui manque pour Giovanni qui a envie de nous proposer une recette aujourd'hui. Je vous propose de faire des pancakes. La première fois que j'ai cuisiné, c'était pas très bon. Ensuite, j'ai continué à apprendre. Et ensuite, j'ai réussi à faire des plats meilleurs. Avant de faire mes pancakes, je vais me laver les mains. Voilà. Pour ma recette, c'est simple. J'ai besoin d'un bol de farine, d'un bol de lait, et un œuf. Le lait et la farine, il faut le remplir en haut de la tasse. En premier, je dois verser un œuf, l'œuf, et ensuite le lait. Maintenant, on met la farine. Un bol de farine, un bol de lait et un œuf. Maintenant, on mélange. Il faut que la poêle soit bien chaude pour pas qu'elle s'étale comme une crêpe. Il faut être très délicat pour pas se brûler. Un peu de lumière, ça fait pas de mal. Alors, hop là. Ensuite, on appuie. Avec cette recette-là, on peut faire de 6 à 10 pancakes. Allez, on mange ? Oui. Goûtons. En fait, ça se roule. Même... Ah, ok. Il faut rouler les pancakes. Comme ça. Ok. Allez. C'est bon, hein? Je peux même dire que c'est très bon. Oui, très bon. C'est simple, mais c'est très bon. Ouais. Bon appétit. Peut-être c'est difficile dans certains profils, oui. C'est que la personne elle est attachée à l'environnement. Oui. Quand cette personne sort de l'environnement, et l'enfant il peut bugger. Il peut la reconnaître. Il peut ne pas reconnaître la personne et c'est après comment on se présente à l'enfant. Donc moi les enfants ne vont pas me reconnaître nécessairement toujours physiquement, mais c'est comment je me présente à eux qui est toujours systématique. Gwendol est moniteur éducateur au sein de l'ISA depuis 2014. Malgré ses années d'expérience, suivre cette formation était primordial pour lui. C'est vrai que nous, dans notre parcours de formation initiale, l'autisme, ce n'était pas quelque chose qui était aussi développé ou qui était, voire carrément, qu'il y avait un manque dans le
parcours de formation initiale. C'est des formations qu'on attend avec impatience. C'est des formations qui nous permettent de rester en veille sur ce qui se passe dans le monde entier. Odé Tourneau est une doctoresse spécialisée dans l'autisme. Cette Calédonienne est basée en Australie. Elle y effectue des travaux poussés dans le domaine. Je pense que la difficulté que rencontrent les professionnels en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'ils sont assez loin. Ils n'ont pas après accès aux informations des pays anglo-saxons qui sont un petit peu plus à la pointe sur le travail qui peut être fait avec les individus atteints de TSA. C'est l'avantage, quand je viens faire une formation à l'ISA, c'est que je peux leur donner accès à cette information de tous leurs pays voisins anglo-saxons parce que je peux traduire l'information pour eux également, pour qu'ils aient accès à des informations récentes sur comment mieux travailler avec les individus souffrant d'un TSA. Les professionnels ne sont pas les seuls bénéficiaires de ces formations. Des soirées d'échange avec les parents d'enfants autistes sont également prévues. En fait, la marmite avec le sable dedans, il remplace le four, le fourneau. Donc c'est ça qui va faire qu'il va garder la chaleur pour pouvoir cuire le gâteau. Encore un petit peu, puis ça va être bon. Dès que c'est bon, on se dirige là-haut, on va faire le feu. Et ben voilà un bon feu. Là déjà, ailleurs, on peut mettre la marmite. Comme ça, ça commence à chauffer. Ne vous brûlez pas. À tour de rôle, vous poussez le bois. Vous êtes ici. Moi, je vous laisse et je vais aller avec les maternelles pour préparer le gâteau. Allez, il faut bien battre jusqu'à ce que ça blanchisse dans les jaunes. Et nous sommes en préparation d'un gâteau à l'ananas. Recette revisitée par l'équipe des Diabolos. C'est quoi le cri des Diabolos? Il n'y a pas de pied, pas mal. Le thème, c'est vrai qu'on cherche le rapport entre faire une recette de gâteau et l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, ça touche les enfants parce que c'est eux qu'on met en avant. Donc, eux sont au cœur de l'arbre généalogique. Alors, faire un gâteau, c'est pareil. Sauf que là, ce qu'on leur donne en plus, c'est un gâteau. La préparation, elle reste la même. Par contre, il est cuit au feu de bois. Et ça, c'est un plus. C'est pour dire que les enfants, ils ont la possibilité, eux aussi, de faire des gâteaux comme les grands. Donc, c'est toujours responsabiliser, c'est mettre l'enfant au cœur des activités pour leur dire ben, ils sont capables de faire un gâteau. Donc, voilà le lien qu'on a fait en transmettant le savoir-faire du gâteau, de l'art culinaire. Allez, venez l'équipe Diabolo, on va aller mettre notre gâteau. Hop. Donc là, il va cuire avec la chaleur de la marmite. Vas-y, tu peux refermer. Et là, on va tirer le bois et laisser que la braise. On tire. Bon, allez, c'est cuit. Du coup, on va emmener là-bas. Alors, il est comment? Bien. Waitu. Nenje. Oh, pas quoi ni. On rame loin. Bata. Oi. Allez. On se penche, on ramasse, on ne fait pas semblant de ramasser. Parce que quand vous ramassez comme ça. Quand vous déboussez, vous êtes comme ça. Ok? Donc je vais vous le voir faire. Vous le faites un coup? Et la thématique de cette danse, c'est la terre. Donc elle parle du calendrier kanak. Donc on commence par le travail du champ, on débrousse le champ pour le travail de l'igname.
va dans la forêt pour couper le bois pour la pirogue, la confection de la pirogue. Et ensuite, on va à la mer pour attraper les tortues et on va dans le champ pour déterrer les ignames. Et ensuite, on célèbre les nouveaux prémices, les ignames nouvelles. Cette résidence aussi est très importante dans le sens où elle réunit différents jeunes de différentes régions. Et on pourrait comparer cette résidence à une natte, quand chacun amène son savoir-faire et on va tisser ensemble cette natte où la jeunesse kanak de Djoubert Kaponé pourra s'asseoir dessus et partager le savoir, se la réapproprier et transmettre aux générations futures. C'est important pour nous parce que les choses traditionnelles, ça commence à se perdre. Mais nous, on veut faire revivre. Puis nous, on veut repartir à Païta avec plus de choses, plus de. Pour que notre panier les remplisse de bonnes choses, de savoir-faire, de la culture kanak. On veut notre vie, moi, chez moi. On veut notre vie, comme nous, à Kanak.